Bien, voici le dernier TP d'assemblage de la presse à levier Gunt. Dans les précédents TP, nous avons créé les classes d'équivalence de ce petit mécanisme. Donc, nous allons regarder ce que nous allons faire maintenant. Donc, les classes d'équivalence sont créées. On n'a pas créé la classe d'équivalence CE4 puisque là, les deux pièces sont dissociées. Ce sont des pièces unitaires. On les ajoutera directement dans l'assemblage. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer un nouvel assemblage et on va y déposer les classes d'équivalence que nous venons de créer. Et ensuite, on va mettre les contraintes associées. C'est parti. Donc, revenons à Onshape. Je vous propose d'ouvrir le fichier précédent que vous avez déjà créé, presse à levier, dans lequel vous avez toutes les pièces dans les différents onglets et on a nos trois classes d'équivalence. Donc là, je vous propose de faire à nouveau un assemblage. Et dans cet assemblage, nous allons insérer non plus des pièces unitaires, mais nous allons aller dans Current Document, Assembly. Donc on va y déposer la classe d'équivalence 1, puis la classe d'équivalence 2, et enfin la classe d'équivalence 3. Voilà. Alors, pour éviter le déplacement de la classe équivalence 1, par exemple, qui est le bâti, on va bloquer une des pièces, donc par exemple cette pièce qui est la partie 1 ici. Alors, on verra aussi comment les renommer, hein. On va donc faire un fixe, voilà, pour être sûr que le bâti reste bien, vous voyez avec le petit icône ici, immobile. Vous voyez, là ça ne peut plus bouger. On va commencer par créer la liaison du levier par rapport à notre classe équivalence 1. Donc là, cette fois-ci, on a des mobilités, donc on ne pourra plus utiliser la fonction FastNoteMate, mais on va devoir réfléchir par rapport au degré de liberté de chaque classe équivalence. Donc cette classe équivalence-là a un degré de liberté en rotation suivant cet axe. Donc on va faire une fonction pivot. Donc ici, il s'agit de la fonction de la contrainte Revolute. Donc c'est parti, je vais prendre comme élément de référence l'appui de la surface plane de la bague ici, et je vais me mettre en appui sur cette face et le trou. Voilà, donc là je viens de mettre ma contrainte, elle semble correcte. Je valide. Au passage, on peut animer la rotation, on voit ce qui se passe. Voilà. Donc si je bouge mon levier, je vois que j'ai bien un degré de liberté en rotation. Voilà, parfait. Maintenant, on va s'intéresser au support, aux portes poinçons et aux poinçons. Donc cette pièce-là va pouvoir coulisser, donc les surfaces de contact sont les surfaces cylindriques, celle-ci et puis celle-ci. La pièce va pouvoir, le sous-ensemble va pouvoir coulisser et tourner sur lui-même. Donc là, on va faire une liaison pivot glissant. Voilà, donc, qui s'appelle cylindrical. Donc on prend la fonction cylindrical, je vais prendre ma surface cylindrique. Et je vais prendre la surface cylindrique qui est là. Voilà. Donc peu importe la position de sélection, du moment qu'on a choisi les bonnes surfaces. Je valide. Voilà. Donc évidemment, ici, je vais pouvoir bouger mon élément sans problème, hein. Et on va terminer par. Donc on retrouve bien la rotation et la translation. On va terminer donc par les bras coudés. Donc je vais les insérer. Alors ce n'est pas des classes d'équivalence, même si je les ai mis dans mon document descriptif. Ce sont des pièces unitaires. Je vais prendre le bras coudé, le premier bras coudé et le deuxième bras coudé. Donc on va mettre le premier en appui à ce niveau-là. Donc là, il s'agit d'une liaison pivot. Donc à nouveau, on va prendre une cylindrical. La cylindrical, je vais la mettre en appui sur. Donc la surface plane est le centre du trou et je vais la mettre en appui à ce niveau-là.
Alors, on voit que dans notre montage, elle est mise du mauvais côté. Donc là, il s'agit de faire un flip. Et là, on valide. Si je fais bouger mon levier, donc là, évidemment, tout va bouger plus ou moins. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une pivot glissant, peut-être. J'ai fait une signal d'école. Ouais, donc là, vous voyez, par exemple, là, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire une pivot glissant. J'aurais dû faire une pivot. Pas de problème. Je vais éditer ma Cylindrical Recall. Et là, je peux changer dans la liste et passer sur Revolute. Voilà. Et du coup, ça a changé ma contrainte. Ça m'a mis en appui sur la surface plane. Alors, on ne peut pas encore la faire basculer puisque j'ai pas mis toutes les contraintes. Ce qu'on peut faire, c'est mettre la deuxième contrainte qui va concerner donc mon bras. Donc, de la même manière, je vais mettre une Revolute, c'est une liaison pivot. Donc la liaison pivot, je vais la mettre entre le cylindre, le trou ici, et donc ce côté du cylindre, et je vais le mettre en appui sur la face qui est là de ce cylindre. Voilà, ici. Donc on va reculer, vérifier ce qui se passe. Donc là c'est du bon côté, je valide. Alors maintenant, on va déplacer le levier de telle manière à ce qu'il soit, voilà, bien placé. Et là, on voit déjà les mouvements de notre mécanisme. On fait la même chose pour l'autre levier. Donc, on va mettre une révolute entre la surface cylindrique et le centre du trou, ainsi que l'appui plan latéral et le centre du cylindre. Je suis du mauvais côté, donc je fais un flip et je valide. On fait la même chose pour celle-ci, donc je me mets côté gauche, je prends le centre du trou et je vais me placer sur la surface qui est là pour pouvoir finir ma contrainte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis trompé. Je pense que je me suis trompé de sens. Si je valide, oui, j'ai mis mon bras articulé dans le mauvais sens. Bon, bah, c'est pas très grave, ça peut arriver, hein. Donc, je vais faire je vais donc supprimer mes deux contraintes. Alors, ma révolute qui est là, je vais pas faire un suppress, mais je vais faire un delete. Et ma révolute qui est là, je vais faire un delete aussi. Donc je ressors mon bras et ça m'apprendra. Je vais réfléchir un peu plus. Donc c'est ce côté-là qu'il faut que je mette en contrainte. Donc révolute. Je fais ce côté et je mets en contrainte avec celui-ci. Voilà. Et là je fais un flip. Voilà. Donc là cette fois-ci je suis du bon côté. Vous voyez? Hop, et là, je vais venir mettre ma contrainte entre le centre du trou, voilà, et l'appui plan. Et à ce niveau-là, je vais choisir le plan et le centre du trou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me refait là? Ah, j'ai encore dû me tromper, attendez. Hop. Donc ça pourtant c'est bon, je choisis bien Revolute Mate entre ça et ça. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est bon, je valide. Voilà, donc il faut faire attention à choisir les bons côtés quand on crée nos contraintes. On va placer le système dans la position souhaitée, par exemple comme ceci. Et là, on peut s'amuser, par exemple, déjà à simuler une petite animation. Donc ici, par exemple, je vais piloter la liaison pivot. Donc je fais un petit clic droit, je vais faire Animate. Et là, je vais choisir les positions. Donc je vais partir de la valeur 0, je me suis mis en position basse.
et je vais donc 0. Alors je vais prendre 350 degrés par exemple, et on va considérer que on va monter jusqu'à 360. Le nombre d'étapes, donc là ça va, on va limiter à 100. Ce sont le nombre d'i un petit peu comme le nombre d'images par seconde. Et on y va, on va simuler. Donc là je décale mon mécanisme d'un angle de 10 degrés. Voilà, donc vous voyez très simplement, très facilement, on arrive à animer un mécanisme. Voilà, donc là on vient de faire l'assemblage final de la presse sans les composants standards. Donc le prochain TP va viser à aller chercher les composants standards sur Traspart Online et ensuite à les insérer dans les différentes classes d'équivalence. Alors, ce que j'ai pas fait et qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité au niveau des pièces dans chaque classe d'équivalence, eh bien, ce serait de renommer les pièces. Donc, je vous fais voir. Donc, par exemple, dans la CE1, on va faire un switch to CE1 pour n'avoir que celle-ci à gérer. Donc, par exemple, la part 1, ici, il faudrait que je la renomme. Donc, je fais un petit clic droit. Alors, non, c'est pas dans la classe d'équivalence en elle-même, mais c'est dans chaque pièce. Désolé. Donc là, il faut aller sur le support. Même si l'onglet porte le nom support, il faudrait que la part associée au support s'appelle support. Donc, clic droit, c'est là qu'il faut renommer. Et là, on va l'appeler support. Voilà. Donc, je fais la même chose pour le porte-poinçon. Alors, hop, je vais faire ici, clic droit, rename, porte-poinçon, etc. Donc, on renomme tous les éléments de manière à ce que lorsqu'on va revenir sur, vous voyez, par exemple, le CE1, j'ai renommé le support, il apparaît bien en tant que support. Alors, c'est important de faire ça, de les renommer dans chaque onglet. Pourquoi? Parce que quand on va gérer les nomenclatures, quand on va gérer la BOM table, on va voir que on va la laisser faire. Ici, si j'ajoute le nom, voilà. Et là, je vais enlever la colonne. Voilà, vous voyez, le support apparaît bien. Sinon, les autres pièces vont porter le nom de part. Donc, je vous invite à renommer chaque onglet par le nom de la pièce.